Regardons en détail les différentes manières d'utiliser la formule V égale C sur N. Le contexte de cette formule est le suivant. On a un rayon lumineux qui se propage, mais pas dans le vide. Il se propage dans un milieu d'indice N, d'indice de réfraction N. Et on se demande à quelle vitesse va la lumière dans ce milieu. Alors on peut appliquer la formule qui nous dit qu'il suffit de prendre comme chiffre de base la vitesse de la lumière dans le vide, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et diviser cette valeur par l'indice de réfraction du milieu dans lequel on souhaite connaître la vitesse de la lumière. Par exemple, quand on sait que dans l'eau, l'eau a un indice de 1,33, on peut calculer la vitesse de la lumière dans l'eau, C sur N, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 divisé par 1,33, ce qui donne environ 2,3 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui est rapide, mais moins que dans le vide. C'est une utilisation directe de la formule, mais comme elle contient plusieurs termes, on peut vous demander de l'utiliser autrement. Voyons deux autres cas. Si par exemple on vous demande d'utiliser cette formule pour retrouver la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, on voudrait une formule du type C égale quelque chose. On peut, puisque c'est une égalité, manipuler cette formule pour obtenir la valeur de C et la formule à appliquer pour calculer C. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais ici détailler la manière la plus mathématique de le faire, mais vous êtes libre de faire autrement bien sûr. On peut par exemple, partant de la formule V égale C sur N, puisqu'on cherche à obtenir C, il faudrait se débarrasser du sur N. On doit donc faire l'opération inverse de la division, c'est-à-dire la multiplication. On va donc multiplier par N de chaque côté de la formule V fois N et C sur N fois N. On s'aperçoit alors qu'il y a possibilité de simplifier par n à droite, puisqu'il y en a un en haut et un en bas, et il nous reste v fois n égale c, c'est-à-dire c égale v fois n. Et donc, si on souhaite calculer la vitesse de la lumière dans le vide, il suffit de faire l'opération v fois n. Dans le même genre, si on vous demande un jour d'utiliser cette formule pour calculer l'indice de réfraction d'un milieu, eh bien vous aurez encore une fois à manipuler la formule apprise par cœur. V égale C sur N. Comme on cherche à avoir N égale, déjà il faudrait qu'il ne soit pas en diviseur dans la formule, donc on va là aussi multiplier par N à gauche et à droite, simplifier par N. En fait, c'est la même étape que dans le cas précédent. Mais comme on veut n, il nous reste encore v à éliminer. Donc on va diviser à gauche et à droite par v. V fois n sur v. Et c sur v. Comme ça, on va pouvoir simplifier par v à gauche. Et il ne va rester que n. On obtient alors n égale c sur v. Qui permettrait cette formule-là de calculer l'indice de réfraction d'un milieu. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques détails, vous arriverez mieux à utiliser la formule V égale C sur N.